Et salut tout le monde, c'est Doc. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Duckcraft hein, pour changer. Donc 36e vidéo si je me trompe pas. Donc vous voyez ici sur la colline je n'ai pas changé sur l'air. Alors là par contre j'ai changé, vous voyez la dernière fois par quoi ça ressemblait. On va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble et ensuite on va commencer les travaux d'aujourd'hui. Donc bah j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, franchement c'est tranquille, c'est tranquille. On est le 17 donc je sais pas trop quand cette vidéo sera postée, je pense vers la vingtaine. Donc il y a beaucoup moins de couleurs qu'avant, oui je disais. Je viens de dire les affaires qui étaient là, non il n'y a même plus de trace par terre. Donc ouais j'ai enlevé toutes les couleurs qu'il y avait grosso modo et mis les petits détails. Ça rend pas forcément super bien quand même et ça rend mieux qu'avant même si on m'a dit, enfin on a qui se sont foutus de moi mais on a quand même qui m'ont dit que, enfin IRL que ça l'air, enfin bon bref. Du coup je sais pas trop quoi en penser hein. Bon ça va rester comme ça pour l'instant. Là on peut prendre des dégâts de chute, on s'en fout. Enfin les bottes ils s'en foutent un peu moins. Donc là on va faire l'entrée qui est là, pour aller dans le passage qui est là. Donc une entrée genre un peu comme ça, un peu style Maya. Mais en fait oui, pour les tours Maya je sais pas quoi faire, il n'y a pas vraiment de tours Maya à part les pyramides, mais c'est pas vraiment des tours, c'est un peu dur. Hein, franchement c'est un peu dur. Et là on fera ensuite l'escalier qui va jusqu'à là-haut, donc pour ça. J'ai ramené le matériel qu'il me fallait ici. Donc j'ai été chercher du bois, oui d'ailleurs petite dédicace à l'Amazonie. Hein. Mais c'était surtout pour ça, parce qu'en haut il y a de la déco qui sera à faire avec ça. On va mettre des arbres etc, donc pour l'instant c'est pas sûr qu'on va le faire dans cet épisode, mais voilà. J'ai des échelles mais en fait ce sera des escaliers donc enfin des middle donc les échelles vont me servir strictement rien. J'ai un peu de tout comme bazar mais on va déjà commencer par faire le tour. On va faire de la chiseled déjà. On va faire un vrai tour. Du coup en fait mes affaires sont peut-être un peu proches. Oui 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 parce que ça en fait je l'aurais bien mis là. Attends, on va le mettre là. Comme ça. Jusqu'à où, jusqu'à là ouais. Et là en face donc. Hop, et après on se démerdera, oui, pour cacher ça, la misère. Bien, bien, bien. Oui, 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 ce n'est pas vraiment à quoi je voulais que ça ressemble, mais pour l'instant ça ressemble à ça, vous allez voir, on va ça, de toute façon on va arranger ça vite fait. L'escalier, on fera en avance accélérée, bien entendu, sinon ça va être vraiment trop long. Par contre, ça va me faire chier. Alors, le sol, je pense qu'on va le faire en ça. Et en ça. Alors attendez, hop. Là on va faire des petits escaliers déjà en ondulateur fait, voilà. Genre pour ici. Paf. Paf. Ouais, voilà. On va y mettre là quand même, voilà. On va virer juste. On va remettre une torche là, voilà. On va virer ça pour l'instant. Je vous ai dit de toute façon, l'intérieur après on le fera plus tard. Pour l'instant c'est pas le plus important. Donc pour l'instant c'est tac. Bah tac comme ça, on peut pas aller autre part. Donc hop, le sol. Alors le sol, on va les faire remonter d'un aussi, fichier. On va faire comme ça là. On va faire genre paf, paf, paf. Et donc ici le sol. Donc je pense c'est faire un, le tour comme ça. Et au centre mettre du la diorite rouge, la diorite poly rouge. Bon après on va raser, ce sera un peu amélioré au retour donc. Pour l'instant disons qu'il faut pas trop suivre, par contre je vais peut-être pas mettre ce bloc là sinon je vais m'y perdre, on va mettre celui-là à la place. Ouais je dis pour l'instant il faut pas trop s'y fier, on va s'y perdre. On verra ce que ça donne à la fin, résultat plutôt final, j'espère que ce sera pas aussi rapide que la dernière fois. Même si dans la fête vous avez tout été coulé avec moi. Alors le haut on pourrait le mettre en demi-dalle. Ah oui alors pour l'instant ça je suis d'accord avec vous, ça ne ressemble à rien. Je suis d'accord, ça, ça sachez-le les amis. Juste on va remettre une torche. Parce que quand il y a une torche, il faut en remettre une, sinon on va avoir des petits soucis. Hop. Ça. Ici ce sera un petit balcon parce qu'on fera sûrement un chemin de rond, donc ça on l'arrangera peut-être après. On va quand même faire un petit truc par de genre ici, on va faire genre à quelque chose. Juste faire genre parce qu'en fait il n'y aura rien du tout, ce sera juste une déco un peu plus bon sang RP là genre comme ça voyez comme ça là on va faire genre une porte en fait d'une habitation, on fera peut-être quelque chose derrière mais je ne pense pas, peut-être un chemin qui reviendra de là ouais pourquoi pas, je dis à étudier comme idée. En attendant par contre on va faire comme ça voilà regardez là on va mettre une demi hop hop hop
Une de merde. Alors attendez, hop, voilà. Alors, regardez, une demi, une demi, une demi, une demi. Une torche. Fop. Voilà, je vais dire un autre mot. Alors ensuite, bah une demi, un peu au bon endroit, bien joué. Ça va faire peut-être un peu trop de temple grec, un truc comme ça, là, mais je sais pas, je sais pas. Oh, quoique ça fait plutôt maison incrustée un peu dans la. Dans la pierre, je dis pourquoi pas. Ouais, ouais, par au-dessus, on va dire que c'est bon. L'intérieur, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On verra après ce qu'on fait. Voyons, on voit juste où ça arrive. Enfin, attendez, on va quand même mettre un truc. Paf. Alors, attendez, regardez. Là, normalement, ça devrait arriver vers l'échelle. Enfin, j'ose. Bah oui, même carrément. Ok, donc on est pile à la bonne hauteur. Donc en fait, c'est bon à pouvoir faire cette maison. Enfin. Aller, même si on aurait dû logiquement commencer par l'autre côté. Hein. Finalement, on va commencer par celle-là. Hop. Et mince. Oui, ça va être un peu juste. Ok, on va s'occuper celle de là-haut après. Alors, on va faire déjà celle-là. Donc, on va mettre ça et ça là. Ça et zut. On va faire comme ça. On va ramasser ce coffre-là. Tous les coups, ça va pas être le bon que je vais péter. Normalement, ça se met automatiquement dans l'autre. J'ai rien dit. Ah. Voilà, bon. Du coup, il faut remettre toute la saloperie là-dedans. Alors. On va pouvoir retrier un peu nos affaires comme ça. Là, on est en train de mettre des détails, donc là, on les a mis du coup. Non, pas encore fini. Hop, voilà. Et là, on va mettre, pourquoi pas mettre ça là. Pourquoi pas, j'ai dit, pourquoi pas. Là, on pourrait peut-être mettre un. Là et là. Là et là aussi. Non, ça va faire trop. Ah, juste on en met là comme ça. Ah. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, bon, enfin bref. Du coup, les frais. Pas que ça fasse trop naturel, mais un peu quand même. Donc, on va garder un peu les reliefs de la montagne. Et on va tout simplement mettre de la stone brick si j'en ai encore. Oui, j'en ai. Donc, un peu en mode comme ça, vous voyez. Tout simplement. Un peu de dalle là. Ici on peut peut-être la virer. Non, on va la laisser. On a dit on suivait les reliefs. On va suivre les reliefs parce que simplement ça va être mieux. Parce que c'est fait un peu plus naturel comme ça. Parce que vous voyez, les Mayas n'étaient pas non plus un peuple. Enfin, Maya, Aztec et tout. Développé, j'ai pas que c'était pas développé, mais. De là à faire des complètement des trucs dans la roche, je suis pas convaincu. Donc je vous propose qu'on suive les reliefs. D'ailleurs, ici on va mettre de la. Jorite. Hop, comme ça. Bah du coup on va mettre là-haut là parce que sinon ça va faire dégueulasse. Zut. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup là on la mettra comme ça. Ah oui, c'est pas le bon outil. Oui, ok, très bien. Bon. Du coup là on en était là. On va reprendre. Revenons à nos moutons comme on dit. Là. Et là. Et là, l'autre côté, eh ben, ça on a encore à faire ici. Vraiment très chiant. Parce que là, j'ai peur que les mobs rentrent en fait. Tu sais, quand je joue comme ça. Normalement, on va être honnête, il y a zéro souci, mais on sait jamais. Et là, bah, du coup, là, on va le plafond, on va le faire de deux parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, du coup, le plafond, pour une question de logique aussi. On va le foutre en rouge ici. Parce que ce sera le plafond d'au-dessus en fait. Et ouais les mecs. Hop, hop, voilà comme ça. Allez, faut que je creuse jusqu'à. Je suis à peu près à ta bonne hauteur, voilà c'est ici. Ok. Voilà, normalement c'est censé être comme ça. Après je dis normalement hein, parce que. Toujours pareil avec moi, c'est jamais bien défini jusqu'à la fin en fait. Donc bon, vous allez essayer de vous y faire les amis. Alors, encore des blocs à casser. Ouh. En même temps, je récupère de la stone, donc je vais pouvoir refaire de la stone brick juste derrière. Parce que c'est la stone list qu'il faut, bien entendu, pour faire de la stone brick. Je pense que tous les gens qui jouent un petit peu à Minecraft sont au courant. Après, c'est pas forcément sûr, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de monde qui est au courant. Donc, c'est comme ça. Hop, hop, hop. C'est vraiment tuto pour débutants, ce que je dis.
Ok. Là, on n'est pas trop mal. Bon, l'entrée ici, c'est dégueulasse. On occupera plus tard, on a dit. Ça fait un petit peu coin caché, mais c'est un peu le but aussi, sans forcément fait exprès au début. Donc ensuite, on va passer à l'étage du dessus. Bon, à partir de là, je pense que je vais commencer mon avance rapide. Parce que ça a déjà 10 minutes d'épisode. Et on a fait juste un petit truc un peu ridicule. Enfin, non, parce que ça est parti de la base, mais... Ouais, bon. Pour l'instant, ça ressemble à ça, mais on aura partout autour, donc ça rendra mieux plus tard, on va dire. Bon, les amis, moi je vous dis à tout de suite. Moi je continue l'avance rapide. Allez, tchuss. Hello tout le monde, c'est Doc, donc aujourd'hui on se retrouve, ouais, je commence comme un nouvel épisode moi. Donc on se retrouve pour la fin de l'épisode, de fin de l'épisode tout court, l'épisode de fin de Doccraft 36, c'est pas vraiment un épisode 36 mais grosso modo c'est ça. Donc d'ailleurs ça bug beaucoup moins que d'habitude, pourtant il y a les nuages et tout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la version 1.1.3 de Minecraft, regardez, elle est super fluide. Regardez par rapport à d'habitude comment je bug un petit peu. Là franchement je ressens quand je joue que c'est carrément plus fluide en fait. J'ai toute ma connexion d'ailleurs, c'est impressionnant. Là c'est de l'1.8.3, le serveur est encore d'1.8.1. Mais tout à l'heure je le mets à jour, je vais mettre à jour pour que ce soit 1.8.3 officiellement. Dans tous les cas, je pense que je suis le dernier joueur du serveur, donc ça va pas changer grand chose pour moi.
Bon, mis à part ça, donc vous avez vu sûrement le timelapse de la construction de l'escalier, ça devait être impressionnant. Donc l'épisode dure, j'ai regardé pour l'instant avec montage et tout, pour l'instant ça en apprend un quart d'heure d'épisode. Donc à de quoi faire. Donc attendez, ici oui. Ce qu'on va peut-être faire là. Donc ici ce sera changé, ce sera pas comme ça l'entrée, j'ai une idée de comment je vais vous... Je sais pas trop comment je vais vous l'expliquer, je vais tenter de le faire. En fait, là on va devoir boucher déjà tout ça. Là, non, là juste où est de la terre, donc l'étage de la terre, parce que regardez. Admettons, je me mets là. Là, en fait, il y aura une sorte de chemin côtier, vous savez, avec du, je sais pas moi, de la cobble, du gravier, enfin les matériaux habituels pour faire ce genre de chemin. Qui fera grosso modo tout le long, ou vite fait, enfin entre les arbres, etc., les torches et tout. Donc là, il y aura la végétation. Et là, vers cette hauteur-là, il y aura aussi une sorte de grande baie vitrée, ouais. Enfin, pas, ce sera pas des vitres, mais un grand truc comme ça qui fera tout le tour, enfin toute cette moitié-là. Et en bas, ici, il y aura des maisons. Enfin, il y aura une petite partie du village ici, et là, il y aura le grand temple. Ça a l'air un peu chou à expliquer comme ça, je sais. Et là, ce qu'on va faire grosso modo, c'est qu'on va creuser là et faire commencer le design de ce que je veux faire. Donc grosso modo, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, il y aura une maison, par exemple, ce sera, enfin, c'est plutôt un chemin ici, mais ce sera dans ce style-là, grosso modo. En mieux fait, bien sûr. Bien entendu. Bon, du coup, je vais prendre juste ça, j'ai que ça. Peut-être que j'ai vraiment un petit peu de stone qui doit rester. Il me semble qu'il me reste de la stone, puis des masses. La dernière fois, tout ce que j'ai miné, je l'avais remis, donc s'il m'en restait d'avant, normalement, ça devrait être bon. Ouais. On va dire que c'est droit. Mince. Là. Oui. Ah, j'en ai vu là. Ok, on va prendre ça pour l'instant, ça devrait être suffisant. Donc tout simplement ce qu'on va faire là. Ça va pas être très passionnant, je vous l'accorde. Mais c'est qu'on va recouvrir juste en dessous la terre. Pour bah, commencer à permettre de creuser notre machin. Allez, en gros, on va faire vraiment vite fait parce que... Ah oui, du coup c'est pas là. Ça va être chiant pour vous, donc on va pas en faire trop. On va juste en faire un petit peu de nécessaire. Mais en fait, je l'ai déjà fait. Oui, j'avais pensé à le faire. D'accord. Vous voyez, là par exemple, c'est pas fait. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire qu'il faut boucher. Que comme ça, on pourra poser du gravier n'importe quoi dessus. Il y aura aucun souci. Voilà. Tout est dit. Une petite voix. Hop. Voilà. Bon, après, il y a un peu partout. Vous êtes d'accord à faire. Bah donc du coup on va pas faire que boucher des trous comme ça. Il est chiant lui rien, ouais. Il faudrait que je creuse un peu comme ça aussi. Là où je sais qu'il y a... Vous voyez, agrandir un petit peu l'espace à l'intérieur de ça pour que ce soit un peu plus vivable quand même. Ah ouais, c'est carrément mieux. Ah bah merde, par contre là... Vous voyez, juste avant de dire qu'on s'en fait l'espace un peu partout. Et ce sera beaucoup mieux quand même, parce que ce sera beaucoup plus fluide les déplacements à l'intérieur de cette partie du bâtiment. Ok, comme ça, voilà. Et ce petit genre de truc un peu partout, mais... Au final, ça va rajouter une foule de détails. Hop là. Ok, voilà, bon. Enfin, une foule de détails. Je sais pas trop ce que je raconte, mais grosso modo, ce sera... Juste pour les déplacements un peu plus fluides, ce sera carrément mieux quand même. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Bon, ouais, bon, bah, du coup, ici, ça va être un peu plus chaud. Donc, on va commencer par l'autre côté. Donc, que je discute, mais ouais, voilà. Alors, grosso modo, quand vous serez là, là, on va casser là, comme ça. Ouais, du coup, c'est mal fait. On se demande qui a creusé ici. Hein. Là, mettons, on va faire cet endroit-là. Parce que j'ai envie de faire celui-là. Parce que c'est à peu près plat, donc ce sera pour faire le pattern. C'est que plus pratique quand c'est plan, on sera d'accord. Puis si vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis. Tant pis pour vous. Moi je suis d'accord avec moi-même. Et ouais. Hop. Ok. Alors grosso modo, là. Donc je me demande si on en fait encore celui dessus. Est-ce qu'on est fou, allez, soyons fous. Ça en fera du terraforming obligatoirement au-dessus après. Bon. Est-ce que cela? C'est incroyable. Hop, torche de fois. Alors du coup, j'ai oublié mes matériaux en bas. On va peut-être remonter ça d'ailleurs. Bah du moins pas tout de suite parce qu'il y a trop de trucs. On va remonter, on va voir ce qui nous intéresse entre guillemets. On va prendre ça, on aura peut-être besoin. Bon, en fait le but va être de... Alors attendez que je prenne ça. Faire de cet escalier, ça me mettra à redescendre dans un quart d'heure.
Ouais, c'est juste pour le pattern, hein. Pas besoin d'en faire plus. J'aurais pu faire un shift d'ailleurs, shift-click. Alors, du coup, comment on pourrait faire ça? Donc, j'ai pensé de faire un truc du style, genre. Attendez. J'avais dit toute la longueur du style. C'est pas sûr, attendez, c'est. Et 1 sur 3, on va dire, du coup, va être bloqué. Bloqué, oui. C'est pas vraiment le terme à utiliser, mais vous comprendrez le moment venu. Si en fait ici c'était bon, du coup. 1, 2. Alors regardez en fait, et là, bloqué, ce que j'appelais bloqué tout à l'heure, plutôt par erreur, on va dire. C'est plutôt avec un pilier, voilà. Ça me paraîtrait mieux comme terme. Bah, du coup, je préfère utiliser celui-là pour la symétrie de la chose. Ou du moins, parce que ça rendra tout simplement mieux à mon œil. Au moins ça en plus. Ok. Alors du coup, là, on va remonter. Alors attends, on va bien se mettre. Deux. Comme ça. Hop là. Ouais, attendez. Ouais, ok, ça se met. J'ai peur que ça se mette de travers. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, ils verront sûrement ce que je veux dire. Bon. Du coup, là, ça se met bien. Ça se met bien, c'est ce qui compte. C'est ça qui est beau, les amis. C'est ça qui est beau. Hop. Oh merde. J'aurais pas dû faire ça, je suis tombé. J'ai une midale. Un stack. Ok, alors attendez, là, grosso modo, ça va faire. Un peu comme protection, vous voyez, de la pluie pour pas que. Qu'on soit se mouiller ou juste du soleil, enfin. Faire un toit, quoi. Tout ce que peut servir un toit en général. Ça, je m'en occupe après. Alors là, par contre, ça va faire haut, donc comme ça, voilà. Monter au fur et à mesure. Donc, bah, du coup, comment je redescends, moi, avec mes saloperies? Et hop. Oh bah. J'aurais voulu retomber là, j'aurais jamais pu faire exprès. Bon. Du coup, alors là, pour pas être embêté par ça, on va faire un. On va mettre une dans ce sens-là, donc ça fera un quart de bloc. Elle aussi. Du coup, c'est pas forcément des blocs entiers, sauf là, tiens. Donc voilà, bon. Du coup, là, une fois que ça c'est fait, on va prendre ça. Je me demande si on peut monter comme je veux faire. Alors déjà là. Ah oui, du coup il faudrait que je mette des. Sinon ça fera en moche ça. Voilà, juste pour histoire de faire bien comme il faut. Et là je suis bloqué. 1, 2. 1, 2. On va peut-être faire celui-là pendant que j'y suis, allez hop. Quoique je sais pas s'il sera là ou là. Non, on va pas faire pour l'instant, c'est un pattern. Alors, une fois qu'on en est là, je pense qu'on devrait faire tac, tac, ainsi que du coup tac, tac, et bah tac, tac. Là, si vous avez compris les tac, vous êtes des champions. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire un peu de déco, peut-être rajouter un peu le relief. On va mettre juste devant là des. Là, là, et là. On va devoir chaque entrée un truc comme ça. Pourquoi pas? Avec un demi pour pas, voilà, pour pas tomber. Juste histoire de faire. ça fait un cube 50 de haut. Alors. Là, ça me paraît pas trop mal vu de là. Merde, j'ai oublié cette partie là. Ça tombe bien qu'elle soit pas faite parce qu'on va pouvoir sortir par là. Hop. Alors, attendez, on va se mettre un peu plus loin. Paf, dégâts de chute, on s'en fout, on est régène. Et faire ça tout le long. Ah, ça fait vraiment bizarre par contre les grands trucs qui tombent là. Ah bah si, on va faire ça comme ça, j'ai une idée. Alors allons voir ça de plus près. Hop, 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 hop.
Alors. Ça, on va dire jusqu'à 1 en dessous, voilà. Du style 1 en dessous, ça fait texte hauteur là. Comme ça. Là, on s'en fout, mais là. Voilà, et là, est-ce que ça va faire plus naturel? Est-ce que ça va plus tout plaire surtout? Parce qu'au-dessus, il faut penser qu'on aura la forêt et tout, donc au-dessus, ça fera mieux. Là, ça rend mieux. Par contre, on devrait peut-être mettre un truc juste au-dessus des machines. Là. Hop. Regardez, un demi-dalle juste au-dessus des poutres de cobblestone. Des cobblestone wall, je sais plus comment ça s'appelle français. Des murets, on va dire. C'est censé faire des barrières en cobble, quoi. Qui me servent pas du tout comme des barrières d'ailleurs. Est-ce que si non, on peut pas faire grand chose d'autre. Ça fera pas trop. Oh non, je pense pas. Ça, grosso modo, ça fait 1 sur 2. Non, je pense pas que ça fera trop. À vue de pif comme ça. Hop. Donc on attend que je calcule l'épisode. Grosso modo, vous devez en être vers 25 minutes. On m'a demandé de faire des épisodes un peu plus courts sur un forum, donc ah oui, attends, on va faire un petit truc avant quand même. Ça me paraît, pour moi ça me fait peu de faire un épisode de 25 minutes, mais c'est ce qu'on demande, donc tant pis. Faudra aussi faire le sol ici pendant que j'y pense, donc on va faire ça. Donc les amis, bah moi je vais vous laisser et puis on se retrouve à bientôt pour le prochain épisode. Allez, tchuss tout le monde et pensez à commenter, liker et vous abonner. Allez, bisous bisous. Hop là, je vous reprends vite fait à la fin pour montrer ça. Donc ça, on va dire que c'est un petit bonus de la vidéo pour ceux qui verront. Donc c'est vraiment l'histoire de notre accord ressemblera le chemin fini, peut-être un peu trop de blanc. Je verrai si je change ça aussi d'ici là. Peut-être dites-moi ce que vous en pensez aussi en même temps. Hein. Je suis en train de penser à. Ah non, je peux pas là, ça, je peux pas changer ça. On va faire juste où elle est pédie, un petit renforcement peut-être en plus, comme ça, juste histoire de dire. Oui, donc bah voilà, c'était juste histoire de dire. Coucou, je suis encore là. Bon, allez, cette fois j'y vais vraiment. Allez, tchuss tout le monde.